sont venus des quatre campus de l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé pour recevoir l'onction pour une année académique fructueuse. Une rencontre avec l'administration, question de créer une dynamique communautaire. Bon, cette cérémonie vise justement à se rencontrer pour faire connaissance, pour voir la configuration de l'UCAP, pour partager les expériences et pouvoir également projeter ce que nous voulons faire au courant de l'année. En regardant de la même direction. Les novices ont également été édifiés sur le secret de la réussite, la présentation des activités péri- et para-académiques pour une formation intégrale. Et pour illustrer cette séquence, les meilleurs dans chaque catégorie d'activités ont été félicités. Que ce soit en Colbison, à Messa ou à Ekounou, les nouveaux étudiants se sont sentis heureux. Je suis très enthousiaste. Bon, en fait, nous tenons que ici, pour réussir, il faut avoir le même discours de moyenne. La discipline ici est à la place de tout. Il faut avoir la crainte de Dieu. Pour cette année académique 2024-2025, l'UQAM entend s'ériger en une université entreprise telle que prônée par le ministère de l'Enseignement supérieur. À Douala, dans le littoral, les présumés trafiquants.